Bonjour à tous. Cinéma cette semaine vous transporte outre-Atlantique en pleine prohibition où l'alcool fait la fortune des clans mafieux pour Live by Night, le nouveau film de Ben Affleck. Nous allons aussi à la rencontre d'autres voyous des quartiers nord marseillais dans Corniche Kennedy et puis affronter une menace internationale qui plane au-dessus de nos têtes dans Triple X Reactivated. On sort les gros bras, ceux de Vin Diesel pour se défendre. Enfin, il est là, il a déjà tes yeux, mais pas la même couleur de peau. C'est la nouvelle comédie de Lucien Jean-Baptiste. Nous évoquerons également les brèves de la semaine et du côté des sorties vidéo, La Tollarde, le film qui a fait le buzz lors de sa sortie en salle, avec Sophie Marceau de l'autre côté des barreaux. Peut-être que c'est vrai. On n'a jamais la vie qu'on imaginait. Celle que Joe imaginait était plus intègre. Fils d'un haut gradé de la police de Boston, Joe revient du front français de la Première Guerre mondiale avec des images d'atrocités dans la tête en ses années 20. Il s'engage dans une vie de petit criminel et se retrouve pile au centre des deux clans mafieux qui dirigent la ville, les Italiens et les Irlandais. Après un dernier casse, il veut prendre le large vers la Floride avec celle qu'il aime, Emma. On irait où ? Quelque part où le soleil brille. Mon frère Danny vit en Californie. J'irai bien en Californie. Mais je sais pas trop ce que c'est qu'un boulot honnête. Et qui a parlé d'un boulot honnête d'abord ? Parfait. Ouais, nous deux, on fera ce qu'on veut. Et on ira là où on veut. Le casse tourne mal et le chef du clan irlandais fait disparaître Emma. Joe s'installe tout de même en Floride et se lance dans la contrebande de l'alcool en pleine prohibition et s'associe aussi avec le clan des Italiens. Live by Night est un nouveau polar d'époque, cette fois-ci, signé Ben Affleck. I wanted to make an epic drama, period gangster story, you know, in the way that it used to be more common. You know, nowadays, big Hollywood blockbusters are just, superhero movies. But, you know, there was a time when this kind of movie would be what a blockbuster would be, a big, you know, appealing to everybody, transporting you to another world, you know, showing you things you hadn't seen. And that was the goal with this. And si les activités malhonnêtes de Joe prolifèrent sur une grande partie de la Floride, il refait sa vie aux côtés de la Cubaine Graciela, Zoe Saldana, que nous retrouvons ici. I think she's a woman like every other woman that works really hard, that keeps her head down, but keeps her shoulders really, you know, straight. And as a woman that is very faithful and loyal to the partner that she's picked for herself. I think that the world, the corrupt world that Graciela navigates in is familiar territory for her. Pour autant, il n'a pas oublié Emma, incarnée par Sienna Miller. I think Emma absolutely wants to live on the edge. I think she doesn't know any other way. I think that must have been an exciting time. You know, she was with this gangster who was buying her beautiful furs and, you know, from a girl from the wrong side of the tracks, this was like a whole new world, very glamorous world. At the same time, at any moment, she could get shot, and I'm sure there is something alluring about living on the edge in that way. Ben Affleck signe un nouveau polar efficace à la dimension romanesque avec une mise en scène contemporaine de scènes d'action, notamment de poursuites automobiles en traction avant. Live by Night n'est pas le meilleur film du réalisateur, mais il reste un polar maîtrisé et réussi. Tous les jours sur la Corniche à Marseille, ce boulevard le long de la mer des quartiers sud, quelques jeunes venus des quartiers opposés s'adonnent à la mer et aux frissons avec des plongeons. J'ai envie de sauter de là-haut. Tu me montres ? Jess, je te montre là. Tu m'embrasses ? Ça marche. C'est quoi ce nom, Suzanne ? Suzanne n'est pas l'une d'eux. Elle se lie rapidement avec cette bande qui l'initie. Vous reconnaîtrez la comédienne Lola Créton, découverte dans Après-mai d'Olivia Sayas. À la lecture du scénario, moi je connais pas. C'est pas du tout Marseille, donc j'avais pas conscience de ce que c'était. Et en y allant, c'était magnifique. Comme elle dit, on s'est promené sur la Corniche et ouais, c'est un lieu formidable pour tourner. Je peux pas. Mais qu'est-ce qu'il y a ? C'est de l'eau. De l'eau ? Il y a que 6 mètres, là. Je l'avais jamais fait. Je me suis dit, je vais y arriver, il n'y a pas de problème. Et c'est en commençant les entraînements que je me suis rendu compte que j'avais peur, vraiment peur, parce que j'avais jamais essayé, donc j'avais aucune appréhension de cette peur-là, et en fait j'ai eu très peur. Tu es la sirène, tu es le pirate. Suzanne,
pourrait rester ici toute notre vie. Adapté de l'ouvrage du même nom de Maëlys Kerangal, à qui l'on doit le récent Réparer les vivants, le film nous entraîne au cœur d'un trio formé par Mehdi et Marco. C'est plutôt une osmose générale entre ces personnages que vraiment un choix d'amour unique et de le choix se fait à la fin parce qu'il y a cette histoire en fait. Je pense que c'est pour ça que se fait le choix, c'est parce qu'il y a cette histoire de flics et de trucs et de machin qu'il y a une urgence. S'il n'y avait pas eu cette urgence, peut-être que voilà, c'est juste une osmose et ils sont bien tous les trois. Et... Johnny, on te laisse passer devant. Ça va mal se finir tout ça. Maintenant que vous m'avez coffré, tout le monde va le savoir. Je vais me faire rafaler. Autour de cette bande des sulfureux quartiers nord, en parallèle, l'économie de la drogue et du trafic ne sont pas loin. La cinéaste Dominique Cabrera nous plonge avec poésie dans l'univers de cette jeunesse perdue, le vertige en plus. Attention, il est de retour. Si vous vouliez que je revienne, suffisait de me le demander. Vin Diesel réendosse plus d'une décennie après le dernier épisode le personnage de Xander Cage, membre des agents Triple X, et ce au moment où les gouvernements sont menacés. L'appareil qui contrôle tous les satellites militaires de la planète est tombé entre les mains de quatre types très dangereux. On a besoin de quelqu'un capable de bouger comme eux. De se battre comme eux. Agissez en patriote. He's different in the respect that he did try to comply with, you know, the idea of working with the government, and that kind of didn't work out for him. I think what we find in this one is his willingness to bring on a team, and the fact that he values the team that he has, it makes that incredibly different than the first outing. He was a solo lone wolf. And I think in this movie, we see that over the years, he's learned to rely on people. What you want, I got what you need. Ça, c'est une équipe avec laquelle je peux bosser. C'est parti. Notre agent Triple X va devoir affronter un ennemi redoutable en la personne de Xiang, incarné par le comédien chinois spécialiste des arts martiaux, Donnie Yen. Et ça se voit à l'image. Particularly outside of Asia, outside of China, that... I'm not just the Ip Man person, the martial artist, the hero that is always very serious and deadly. He's deadly in this film, but he's fun to be with, right? If he's not in conflicts with you, he can grab a beer and hang out with you and party and just have fun. Just a regular guy. Amateur d'action et de poursuites en tout genre, ce nouveau volet des aventures de Xander et de ses potes de Triple X est très efficace. Et si la saga ne fait pas dans la dentelle, les moments surréalistes demeurent pour autant jubilatoires à l'image. Le conseil de famille propose de vous confier un petit garçon. Nous sommes face à un cas assez particulier. Vous étiez plutôt ouvert. Je vous présente Benjamin. Et oui, petit hic, lorsque ce couple d'adoptants de couleur, vous l'aurez remarqué, se voit proposer un enfant blanc, oui, blanc. Benjamin arrive alors dans la famille et il va falloir convaincre tous les proches. Et c'est pas gagné. Bonjour. C'est quoi ça? C'est Benjamin, maman. Ah, Ousmane! Ousmane! Il a déjà tes yeux et la nouvelle comédie, la quatrième en moins de 10 ans, de Lucien Jean-Baptiste. Et cette fois-ci, il l'a décrit comme un accident artistique. Alors, c'est un accident artistique. C'est-à-dire que moi, j'étais en train de bosser sur un fait divers que j'avais vu, un couple de Noirs qui accouchait d'un enfant blanc, enfin la femme du couple. Et là, je me suis dit, tiens, j'ai peut-être qu'un truc à raconter par rapport à la transmission, parce que moi, d'un côté, j'ai ma mère, la vraie antillaise typique, puis j'ai mes enfants, là, pour le coup, des métis. Et la transmission, voilà, eux, c'est des petits bobos de Paname, et puis j'ai ma mère, la vraie antillaise du pays, tout ça. La tradition, c'était quand même de donner un bébé noir à des blancs, quoi. Ils ont fumé quoi, la DAS? De cette idée très amusante, le comédien réalisateur s'en empare pour la développer et nous livrer une comédie
avec un sujet qui le touche tout particulièrement. C'est une histoire d'amour, hein, et l'amour autour de cet enfant, l'amour dans un couple, l'amour dans des familles, et puis l'humanité dans un sens plus large. Si vous voulez, le pitch est presque anecdotique, mais c'est l'étincelle, c'est ce qui fait, c'est le révélateur de où on en est, où en sont les gens par rapport à la différence, par rapport à tout ça. Pas totalement emballé de notre côté par cette comédie au sujet pourtant passionnant, allez-vous faire votre avis en allant voir Il a déjà tes yeux. Ah oui, non mais c'est parce qu'il est très mignon. Et puis vous aussi, on y va. Voilà, c'est mieux. Nouvelle adaptation de l'ouvrage autobiographique de Joffo, Un sac de billes, nous entraîne dans le récit de Maurice et Joseph, deux jeunes frères juifs livrés à eux-mêmes dans une France occupée par l'armée allemande. Avec Patrick Bruel, Christian Clavier et Bernard Campan pour les rôles de grands et aussi Kev Adams pour les moins grands. Vous allez me jurer que jamais vous direz à qui que ce soit que vous êtes juif. Promis. Joe, t'es juif ? Non. Arrêtez. Je sais que t'es juif. Est-ce que t'es juif? Non. Je sais que t'es juif. Non, je suis pas juif. OVNI cinématographique, Belle Dormant nous conte l'histoire du jeune prince Egon du royaume de Lettonia qui passe ses nuits à jouer à la batterie et rêve de trouver la Belle Dormant pour briser le charme. Il doit lutter contre son père qui ne croit pas du tout aux contes de fées et ça promet. En 1800, alors que la Bretagne est à genoux, Fleur de Tonnerre est une enfant isolée et malmenée par la vie qui, au fil des épreuves, se forge un destin de serial killer. Incarnée ici par Déborah François, le film ne convainc pas pour autant. Profession ? Prof. Intellectuel, ça change. Surveillante ! Grille ! Cette semaine, La Tolarde débarque sur vos écrans en vidéo. Le film était sorti sur les écrans en septembre dernier et très remarqué puisque cette Tolarde était incarnée par Sophie Marceau, peu habituée à ce type de rôle. Et ce personnage, c'est la cinéaste Audrey Estrogo qui lui a donné. C'est quelqu'un que je connais qu'à travers l'image médiatique. Donc c'est une star, ce n'est une des plus grandes stars qu'on a en France avec Depardieu, quoi. Et en plus, je crois que moi, dans les films, chaque fois qu'on la voit, c'est la belle plante, c'est une femme fatale, sublime, héroïne de comédie romantique, donc à l'opposé de mon imaginaire. C'est vrai ce qu'on dit ? Tu t'es sacrifiée pour qu'il puisse s'échapper ? Vous avez permis l'évasion de votre mari en lui fournissant une arme en main propre. Vous devenez complice d'homicide volontaire. Et je prends le train en fait à Marseille et elle a pris le même train que moi et le train avait du retard et on attendait sur le quai de la gare. Et je la vois. Et au début, je ne crois pas que c'est elle. Je me rends compte que c'est elle parce que tout le monde la filme. Et là, j'ai en face de moi vraiment Madame Tout-le-Monde. D'un réalisme poignant, la Tolarde est cette femme qui se sacrifie pour son homme et part à sa place en prison pour l'en faire sortir. Face à un univers infernal, Mathilde va devoir se frayer un chemin et survivre face à certaines rivales. Un sujet qui est venu à Audrey Estrogo lorsqu'elle a présenté son précédent film. Et donc en sortant de là, je me suis dit, mais il y a quelque chose de notre société à raconter. Hey, tu vas voir ce qu'on va te faire si on t'attrape. C'est pas parce que t'es une terroriste que tu vas faire ta loi. Vas-y, sors si t'es un bonhomme. Tu gagneras pas, le roi. Tu gagneras pas. Disponible dans vos bacs, c'est le moment idéal pour vous de découvrir la comédienne préférée des Français dans son rôle choc. La semaine prochaine, c'est une grande semaine pour nous. L'énorme La La Land sort sur grand écran. Vous ne savez pas encore ce qu'est La La Land ? Découverte avec le premier événement cinéma 2017 très vite. Sortiront également Tous en scène, un film d'animation musicale, et Les Confessions. J'ai décidé de faire les films que je voulais, dont je pourrais être fière, de ne plus travailler pour être riche et célèbre. Ah, mais en plus, je suis certaine qu'il doit être riche, ce Ben Affleck, vu que ses films sont plutôt très réussis. Un bon parti, quoi.